Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui partie numéro 3 de ma présentation de films notés 9 sur 10. Donc on va en reprendre une dizaine et je vais vous en parler un petit peu et vous donner, mon avis, hein, vous savez que j'ai apprécié, mais vous donner mon avis sur les films. C'est parti! Alors on commence par une comédie romantique avec Jack Nicholson, on s'y attend pas dans ce rôle-là, As Good As It Gets. Le titre en français qui a rien à voir, c'est pour le pire et pour le meilleur, donc inversion de la fameuse phrase. Bon ben voilà, comédie romantique avec Jack Nicholson, on s'attend pas à voir Jack Nicholson dans une comédie romantique après les rôles de Joker ou autre qu'il a pu le faire dans Shining ou d'autres films comme Once Flew Over the Cuckoo's Nest ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est pas du tout ce genre de rôle dans lequel on l'attend et pourtant exceptionnel. Voilà, une de mes comédies romantiques préférées avec Groundhog Day et puis une autre que vous verrez peut-être plus tard, je crois. Donc bon, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Nicholson, il a des tocs, mais des tocs, des vrais tocs. C'est-à-dire que le mec, il peut, quand il marche sur un carrelage, il ne peut pas marcher sur l'intersection entre les carrelages. Il faut qu'il mette le pied au milieu du carrelage. Enfin bref, c'est des tocs dans ce genre-là. Il ferme son verrou de porte une quinzaine de fois, enfin... Un malade, au sens propre, hein, parce que c'est une maladie, hein, il a des tocs. Et c'est un gros pénible. En plus d'avoir des tocs, c'est un très très gros pénible. Il est casse-couille comme ça, on peut plus. Il est asocial comme c'est pas permis. Tout le monde ne peut pas l'encadrer, hein, et bref. Et donc il va manger régulièrement, si ce n'est tous les jours, dans le même restaurant. Et il tient absolument à se faire servir par la même serveuse qui est jouée par Helen Hunt, qui joue aussi dans What Women Want, et qui joue super bien son rôle, hein, dans ce film-là, il est très bien joué. Et ben, lui, il l'aime bien, et puis bon, le problème, c'est que des fois, une fois, elle n'est pas là, et ça part en couille complet. Et du coup, il se fait jarter du restaurant, tout le monde est content de le voir se barrer, parce qu'évidemment, il fait chier tout le monde à chaque fois, il est désagréable au possible. Bref, parce qu'il y a trois acteurs principaux dans ce film-là, qui est aussi son voisin homosexuel, donc évidemment pour un mec un peu starbé comme ça, hein, homosexuel, ça colle pas, il est tout le temps en train de le vanner, tout ça et tout machin, et malheureusement un jour ce voisin-là se fait cambrioler, se fait agresser. L'ami, non pas le petit copain, mais l'ami de ce qui est artiste, hein, d'ailleurs, le voisin est artiste, donc l'ami de l'artiste, voisin, va demander à Jack Nicholson de rendre des services à son voisin, et du coup lui il est là en mode mais va te faire foutre. Et en fait, se développe après une amitié aussi entre deux. Donc c'est cette histoire-là, entre lui qui est complètement perché comme un malade, et son voisin et cette serveuse qu'il apprécie particulièrement. Donc voilà, bah c'est l'histoire de ça. Et franchement, c'est top parce qu'il le joue, mais il est énorme, Jack Nicholson. Putain, ça surprend. Quand on n'a pas vu le film et qu'on a vu les autres de Jack Nicholson, on ne s'attend pas à ce qu'il puisse jouer un rôle pareil aussi bien. Il est très, 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 très bon dans ce rôle-là. Et puis bon, les autres acteurs sont vraiment aussi très, très bons dans ce film. Voilà, ensuite... First Blood, c'est pour moi le meilleur de la saga. C'est le premier, hein, 1982. Donc c'est le premier que Stallone a fait de la saga des Rambo. Hein. Je tiens particulièrement à ce titre, hein, parce que Rambo 1, non. Déjà, c'est pas Rambo 1, c'est Rambo tout court, comme on l'appelle en France. Sauf que Rambo, c'est le Rambo 4, en fait, qui s'appelle Rambo. Nous, en France, on l'a appelé John Rambo. Oh, encore une fois, je fais mon chiant sur les titres, mais franchement, First Blood, ça envoie pas, ça pète pas comme titre que Rambo. Enfin bref, donc voilà, le premier de la saga des Rambo, avec donc évidemment hein, Stallone et Richard Crenna. Alors, c'est pas un film de guerre, plus ou moins, hein, parce que bon, Stallone il joue le rôle d'un soldat qui revient du Vietnam hein, quand même. Mais je suis particulièrement fan. Alors je vais essayer de faire vite l'histoire pour les rares qui éventuellement ne le connaissent pas. Donc Rambo, John Rambo, c'est lui. C'est un ancien du Vietnam et dans son pays à l'époque les vétérans ils étaient vraiment traités comme de la merde parce que ben, les gens pensaient qu'ils n'avaient pas à faire cette guerre. Mais au lieu de s'attaquer au gouvernement, ils s'attaquaient aux pauvres soldats qui eux en avaient chié les briques. Et donc c'est son histoire à lui où ben, il marche un peu dans les États-Unis, il essaye de retrouver un ami à lui du Vietnam et quand il arrive là où il est censé habiter, ben, on lui apprend qu'il est mort et du coup ben, évidemment il est dégoûté, il reprend la route et il va dans une ville pour prendre une douche, manger un morceau et le shérif ne veut pas de lui dans la ville parce qu'il fait vagabond, tu vois, il veut pas l'ancien soldat parce qu'il a une veste militaire sur lui.
Et ça part en couille de là parce que ben, le shérif le monte dans sa voiture et lui fait très bien comprendre qu'il ne le veut pas dans la ville. Sauf que John, il dit va te faire enculer, moi je viens. Et du coup, il revient. Et après, ben, le shérif l'arrête pour vagabondage, des conneries. Et ça part en couille à partir de là. Ce qui est énorme dans ce film, c'est déjà l'histoire qui est belle. Au niveau du comment étaient traités les vétérans à l'époque aux États-Unis, c'est vraiment dégueulasse. Déjà que c'était une guerre à la con, mais au lieu de s'attaquer aux connards qui l'ont investigué, ils s'attaquent aux pauvres mecs qui en ont chié pendant la guerre. Quoi. Enfin bref. Et puis c'est surtout qu'il est extrêmement bien joué par Stallone. Je sais que je l'ai overnoté, hein, 9, il a combien de moyenne? Il a 7,7, moi je mets 9. Parce que je le trouve énorme ce film, puis la musique est géniale. Et puis c'est bien joué par tout le monde. Enfin bref, non. Je recommande fortement de voir ce film si vous l'avez jamais vu. J'ai le coffret où il y a les 4, parce que le dernier, pour moi, je l'ai en Blu-ray, hein, mais je sais même pas pourquoi je le garde. Mais le Last Blood, j'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai beaucoup moins aimé que les autres. Mais j'ai le coffret avec les 4. Alors, un coffret très simple, hein, mais en Blu-ray, ils sont très propres. Ensuite, on a Kelly's Heroes. J'ai fait une vidéo review il y a pas longtemps parce que je me le suis refait en Blu-ray, donc je vous le montre tout de suite, ça, pour le coup. Donc j'avais le coffret des deux, et donc il est là. Je me le suis refait il n'y a pas longtemps avec Steve. Moi, je sur-like ce film, j'adore ce film, parce qu'il y a un côté... il y a le côté film de guerre que j'aime beaucoup, puis surtout le côté humour dans ce film. Et là où je vais vous choquer, eh oui, ça vous n'allez pas l'entendre souvent dans ma bouche, d'ailleurs vous allez l'entendre qu'une seule fois parce que jusqu'à maintenant c'est le seul, et je pense que ça va être compliqué que ça arrive, mais je crois, j'arrive pas à me convaincre moi-même, c'est quand même énorme, je crois que je préfère la version française, pas du titre hein, mais de l'audio, que l'audio anglais, parce que comme pour beaucoup, c'est vrai que quand on est habitué à la VF étant petit, c'est vrai que c'est difficile de changer. Alors moi, ça a pas eu cet effet là sur moi, à part sur deux films. Et l'autre film, c'était Pirates de Polanski. Et quand la première fois que j'ai voulu le voir en VO en anglais, c'était pas possible, mais la deuxième fois, je l'ai revu en anglais, et là c'est passé crème. C'était juste que, encore une fois, j'étais trop habitué, j'ai donné une deuxième chance. Celui là c'était la deuxième fois où je le voyais en VO, et il y a des blagues. Mais du coup, c'est des blagues sur des jeux de mots, sur des expressions, des façons de dire des choses à des moments T où c'est complètement hors sujet. Et ce qui est dingue, c'est la manière dont c'est dit et dans le contexte où c'est dit. Et j'avoue que pour le coup, là, c'est pas une question que c'est pas drôle en anglais, mais étant français, pour le coup, là, l'adaptation française, et là où je dis un grand, grand bravo, hein, parce que c'est la seule fois où j'ai vu ça de ma vie en regardant des films, c'est l'adaptation française est excellente. Excellente. C'est-à-dire que les blagues américaines, qui du coup passent beaucoup moins pour nous francophones, français en tout cas, sont bien, très bien adaptées. Un exemple à la con, alors bon, ça pour le coup, lui c'est Oddball. Sauf que dans la version française, il l'appelle le cinglé. Bon, ça encore, ça passe. Mais par exemple, lui, il appelle tous ses potes de sa compagnie Babies. Hey baby, hey baby, hey baby. Sauf que baby, c'est beaucoup moins drôle. Je trouve qu'en français, ils l'appellent mon mignon. Et dans le contexte, alors que les mecs, c'est des soldats, ils parlent d'aller attaquer attaquer une banque, enfin attaquer des ennemis allemands, on est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale quand même. Bon, là, c'est un exemple à la con, mais il faut voir le film. Et il y a plein de petits trucs comme ça, où par exemple, Don Rickles, la machine, la mitrailleuse qu'il a, en français, il l'appelle la machine à coudre. Putain, mais c'est énorme, tu vois, ces genres de conneries. Et alors là, oui, je fais la promotion de la version française. Profitez, parce que chez moi, c'est rare. Je trouve la version française mieux, même si la version originale est bien. Hein. La prochaine fois que je le regarde, franchement, je vais hésiter. Hein. Psychologiquement, je vais me battre contre moi-même. Hein. VO, parce que je suis puriste, ou VF, parce que, effectivement, je la trouve mieux. J'avoue que je la trouve mieux, putain, c'est rare. Et puis alors, bon, revenons sur le film. Voilà, un casting de psychopathes. Clint Eastwood, Telly Savalas, Don Rickles, Donald Sutherland, Carol O'Connor. Casting de malade, une histoire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, j'ai fait une vidéo d'avis dessus, donc je ne vais pas développer trop longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une compagnie américaine qui a 3 jours de repos. Et juste avant d'avoir ces 3 jours de repos, Clint Eastwood apprend, donc Kelly apprend qu'il y a 14 000 barres d'or qui sont cachés dans une banque française et surveillés par des Allemands.
Et donc, du coup, pendant ces 3 jours-là, il veut monter une opération ben, pour aller récupérer le blé, quoi. Et c'est l'histoire de ça. Et donc, il recrute des gens et tout, dont Oddball. Et franchement, c'est drôle. Et il y a de l'action et on s'amuse. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un classique. 9 sur 10, c'est un pur film. Au niveau qualité, vite fait, il était très propre. RAS. Enfin, je ne me rappelle plus trop. Allez voir ma vidéo de review pour vous dire ça. Parce que là, pour le coup, je ne me rappelle plus. Alors là, on s'attaque à du très lourd. Parce que ce film-là, ça a été un 10 sur 10 pendant très 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 longtemps. Ça a été mon numéro 1 pendant très très longtemps devant Das Boot. Mais ce film-là, je l'ai vu, donc The Hunt for Red October. Ce film-là, je l'ai vu bien avant Das Boot et je l'ai adoré tout de suite. Et même quand j'ai découvert Das Boot à l'époque, bon, j'étais jeune, hein, j'avais 19-20 ans, je sais plus. J'avais pas encore compris la puissance de Das Boot. Bref. Même en ayant vu Das Boot, il est resté encore numéro 1 jusqu'à il y a une dizaine d'années où là, je me suis dit non, Das Boot, il est au-dessus. Et du coup, il a perdu un point parce qu'en le revoyant avec mes yeux d'adulte et plus expérimenté, il y a ce côté pro-américain, encore une fois, qui enlève un petit quelque chose au film. Et donc du coup, ça lui a enlevé un point. Mais bon, il passe de 10 à 9, hein, il passe pas de 10 à 6. Hein, bon. Donc ça reste un excellent film, moi c'est un de mes classiques, je crois d'ailleurs que c'est mon deuxième préféré en fait, il faut dire ce qui est, je me régale tellement quand je regarde ce film que je pense que c'est mon numéro 2, hein, parce qu'il est vraiment énorme. J'adore cette affiche là en plus, elle déboîte, même si c'est vrai que j'aime bien l'affiche du steelbook, que je me suis offert le steelbook de l'édition, une édition, je sais plus où, je l'ai acheté en Italie, mais bon c'est écrit en anglais là. Là, il y a tous les personnages principaux, donc Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn et Sam Neill. Sam Neill, c'est le mec de Jurassic Park, hein, pour ceux qui ne reconnaissent pas. Donc, j'aime bien parce qu'on voit les personnages principaux, alors qu'il n'y a pas que Sean Connery, et puis surtout que c'est un Jack Ryan, hein, et puis Jack Ryan, c'est pas Sean Connery qui le joue. Donc bon, j'aime bien, cette jaquette, elle est pas mal aussi, là on voit le sous-marin et tout, voilà. Donc je l'avais présenté, celle-là aussi, allez voir la vidéo correspondante. Mais j'adore cette jaquette parce que je trouve qu'elle pète, elle est sobre et tout. Enfin bref, le film, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un Jack Ryan. Qu'est-ce qui se passe? Donc on est fin des années, on est en pleine guerre froide, pardon. Et les Russes construisent Red October, qui est donc l'Octobre rouge, hein, en hommage à, je sais plus, un événement qui s'est passé en Russie, qui s'appelle qu'ils ont appelé l'Octobre rouge pour le coup. Et ils construisent un sous-marin à propulsion silencieuse et surtout un sous-marin qui est genre, je crois, 30% plus gros que les autres. Enfin, c'est un monstre, le truc. Et donc, du coup, évidemment, les Américains... Sauf que, lors de sa première sortie de ce sous-marin, ils choisissent leur meilleur commandant, les Russes, les Soviétiques à l'époque, qui est donc interprété par Sean Connery, Marco Ramius. Et Marco Ramius, ben, il décide de défect. C'est-à-dire qu'il veut... Il veut trahir son pays et parce qu'il pense que les Soviétiques vont faire des conneries avec ce sous-marin nucléaire. Et donc, il veut donner le sous-marin, il veut trahir son pays et donner le sous-marin aux États-Unis. Et c'est cette histoire-là, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas genre, coucou, c'est moi, tiens, voilà un sous-marin. Non. Donc, c'est le développement de cette histoire-là qui est génial. Et voilà, j'adore la musique dans ce film. C'est une tuerie. Je viens de cracher sur tout mon écran, je crois. La musique, elle défonce. La BO est juste exceptionnelle. Donc voilà, là, je m'arrête un petit peu plus parce que vraiment, je vous dis, c'est mon numéro 2. Il est juste derrière Das Boot. Mais ça reste un très, très, très bon film. Et voilà, c'est un 9,9 parce que voilà, il a ce petit truc qui. Je ne peux pas lui mettre 10. Mais bon, bref, je vous recommande si vous avez jamais vu. Il est génial. Ensuite, Tora. Oui, encore un film de guerre. Et oui, mais vous savez que moi, j'aime bien les films de guerre. J'aime bien aussi les films de sous-marins. Mais là, ce n'est pas un film de sous-marin. C'est un film, pour ceux qui connaissent pas, je ne sais plus si j'ai fait une review ou pas. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps en Blu-ray, en version longue. Donc, je pense que j'ai dû faire une review, aller voir. Donc, je ne vais pas m'arrêter dessus trop longtemps. Mais grosso modo, ce film, c'est l'histoire de Pearl Harbor. Mais le gros avantage de ce film, et ça va, vous allez voir pourquoi je l'aime bien, c'est que cette fois, on voit les deux côtés. On voit le côté américain, donc le côté gentil, et le côté japonais, le côté des méchants. C'est parce qu'évidemment, hein, les Américains, c'est les gentils, les Japonais, c'est les méchants. Enfin bref, on connaît le discours habituel. Sauf que là, c'est bien traité. Évidemment, étant un film américain,
on voit un petit peu plus du côté américain. Mais c'est pas en mode du genre les Japonais c'est tous des fils de pute et les Japonais et les Américains c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est bien présenté, c'est bien. Il y a beaucoup de faits historiques qui sont retranscrits dans ce film. Il est bien joué. Après, bon, l'acting c'est pas ce qu'il y a de plus énorme dans ce film-là. C'est pas ce que j'ai retenu le plus. Et surtout, ça décrypte bien ce qu'il s'est passé à l'époque, donc quelques semaines avant le 7 décembre 1941 et la fameuse attaque sur Pearl Harbor des Japonais. Et on voit encore une fois, on voit les deux côtés, comment ça s'est passé du côté américain, comment ça s'est passé du côté japonais. Et franchement, c'est super bien réalisé, bien tourné, hein, parce qu'il y a les scènes d'action, les scènes d'attaque, la scène de l'attaque, hein, parce qu'évidemment, on la voit, hein, la scène d'attaque de Pearl Harbor est très bien réalisée. Donc c'est un super film de guerre et qui est, on va dire, à peu près, hein, parce que c'est jamais fidèle à 100%, ça on peut pas, mais qui est plutôt fidèle à la réalité. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et le fait qu'on ne chie pas sur l'un des deux côtés et qu'il y a un avis, on va dire, un petit peu plus neutre. Voilà. Ensuite, le Cornio. Alors avec, là pour le coup, j'ai ma vidéo de déballage du coffret. Hein. Le coffret, moi je l'ai mis sur mon étagère d'au-dessus. Il est tellement énorme que j'ai pas envie de le ressortir et tout parce que ça fait un chantier de fou. Donc allez voir ma vidéo, elle est postée, je l'ai postée il y a quelques jours sur ce coffret-là. Bon, ben le film, vite fait, hein, je crois ça fait partie de mes deux comédies, que ce soit française ou mondiale, préférées. Le Cornio, c'est juste énormissime. Vite fait, lui, c'est un mafioso. Et lui, c'est un gentil couillon, le gentil lambda. Il va partir en vacances en Italie avec ses deux chevaux. Seulement, il n'a pas fait 200 mètres, qu'il se fait emboutir par la Rolls-Royce de Louis de Funès, qui défonce sa deux chevaux. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais minot, tout gamin, que je ne comprenais pas trop l'humour, c'est ce qui me faisait aimer le film. Hein, je trouvais ça génial. Et du coup, après, ben, il lui laisse sa carte. Et au final, il va, donc Louis de Funès va se servir de Bourville comme le couillon qui va transporter qui va voyager dans une Cadillac au départ de Naples pour Bordeaux. Et en gros, dans cette Cadillac, il a caché tout son trafic, de la drogue, des diamants, de l'or, etc. Et il doit amener donc cette Cadillac de Naples à Bordeaux. Et évidemment, si lui, il est dans la Cadillac, ça va être suspect au niveau des douanes et tout, parce qu'à l'époque, il y avait des douanes entre l'Italie et la France. Donc du coup, il demande à un couillon de faire le trajet pour lui, et comme ça la voiture peut embarquer à Bordeaux direction les États-Unis pour son deal. Et évidemment, ça va pas bien se passer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, il part à Naples pour amener la bagnole à Bordeaux, sauf que lui, il veut surveiller sa marchandise quand même, donc il va le suivre tout le trajet en mode espion, tu vois. Il va derrière lui pendant son trajet en voiture. Et évidemment, lui, il va lui arriver que des merdes. Et donc, c'est cette histoire-là. Donc, c'est vraiment épique, c'est classique. Il faut voir ce film. Découvrez ce film si vous ne le connaissez pas. Il est juste magnifique. Ensuite, The Bucket List. En français, je ne me rappelle plus du titre. Donc, Jack Nicholson, Morgan Freeman. Deux de mes top 5 acteurs, je crois. Exceptionnel. C'est une comédie. Alors, c'est pas une comédie romantique. Cette fois, c'est juste une comédie. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Ben, lui, il est mécano, et lui, il est genre pété de thunes, il a une société, je sais plus quoi. Sauf qu'ils sont tous les deux malades et ils se rencontrent dans une chambre d'hôpital. Lui, au départ, il est un petit peu détestable, parce que un petit peu comme dans As Good As It Gets, il est un petit, mais bon, pas tout à fait de la même manière. Il est un petit peu détestable parce que voilà, le mec, il est pété d'argent, il veut sa chambre pour lui tout seul. Du coup, il la partage avec un inconnu, ça lui plaît pas. Et au final, il sympathise. Sauf que tous les deux, ils ont des maladies graves. Et du coup, lui, il lui dit, bah, écoutez, il faut vivre, on n'a qu'une vie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et on fait, alors, bucket list, pour explication, c'est la liste des choses qu'on a à faire. C'est-à-dire que si un jour, votre rêve, c'est il faut que je saute en parachute ou il faut que j'aille sur la Lune, bah, vous mettez ça dans votre bucket list. Et un jour, à la fin de votre vie, il faut que vous ayez ça de coché sur votre liste. Quoi. Et en anglais, on dit the bucket list. Et bref, donc c'est ça. Et il lui dit, ben, qu'est-ce que vous vouliez faire? Alors, je sais plus, genre monter sur l'Himalaya, faire du jet ski, sauter en parachute, des conneries comme ça. Et du coup, vu que lui, ben, il a de l'argent, ben, il lui dit, ben, allez, on le fait tous les deux parce que voilà, on va mourir. Donc merde, on se fait plaisir. Et c'est leur histoire à eux. Et je l'ai trouvé juste génial. C'est drôle, c'est touchant et tout. Donc je me suis régalé en regardant ce film. Puis bon, deux acteurs exceptionnels qui, rien qu'à eux déjà, ils éclaboussent l'écran. Je trouve ça génial. Donc si vous ne l'avez pas vu, The Bucket List, il est top. Ensuite, Coup de tête. Quel film de malade mental. Patrick Devers, un acteur malheureusement parti trop tôt, mais
qui joue dans Les Valseuses aussi, hein, pour ceux qui connaissent Les Valseuses, peut-être plus que celui-ci. Alors, moi qui suis un footeux, ça parle de foot. Lui, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu l'outcast. Il joue dans un club de ultra amateur de 7-8e division, je ne sais plus, de Trinquant, de la ville de Trinquant, où ils sont peut-être 20 pecnos. Donc, ça se passe dans les années 80. Hein, et le film, il est de 79, autant pour moi. Tu vois, c'est encore pire. Ça se passe dans les années 70, donc fin des années 70. Et donc, il joue dans une équipe. Il est attaquant dans une équipe de foot de la ville donc, de Trinquant, enfin, le village, hein, tu as presque envie de l'appeler. Mais bon, là-bas, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup, l'attraction principale de la ville, c'était le club. Donc lui joue dans l'équipe et dans le club, il y a un autre attaquant qui est la star de l'équipe. Et lui, hein, dans un match d'entraînement, bon, ben, il joue et puis il fait un tacle un petit peu viril et il blesse un petit peu l'attaquant star. Sauf que voilà, le mec, il finit, il va au but, il marque, il est content, tout le monde s'en branle parce que ben, il a blessé l'attaquant star. Et donc du coup, ça devient le méchant, quoi. Ça devient l'enfoiré qui a blessé notre joueur star. Et donc évidemment, il est banni, il n'a plus le droit d'aller nulle part, machin, enfin bref. Il faut savoir aussi qu'il y a le président du club de Trinquant, c'est un bel enfoiré aussi, tu sais, genre le patron qui tient Leclerc et qui est aussi propriétaire du club de foot. Sauf que, ben, à un moment donné, la ville de Trinquant se qualifie en Coupe de France et donc va jouer la Coupe de France. Et ben, ils ont besoin de lui. Sauf que lui, ben, il marque les buts qui qualifient l'équipe. Donc du pestiféré, ça devient le dieu. Et là, ils disent, les autres qui voulaient se débarrasser de lui, donc les autres, c'est le directeur, plus tous ceux qui sont autour, hein, le patron du bar, le patron de y a un concessionnaire aussi, qui sont contre lui. Et là, le directeur du club, il dit, bon, écoutez, jusqu'au prochain match, lui, c'est lui le patron. Il fait ce qu'il veut, on ne peut pas le toucher, parce qu'évidemment, c'est devenu la star du village. Et évidemment, il va jouer là-dessus, lui. Lui, on lui a chié dessus, puis après, maintenant, on le considère comme un dieu, donc lui, il joue là-dessus, et c'est exceptionnel, sa petite vengeance, c'est énorme. Il faut voir ce film, tu tapes des barres, c'est super bien joué, il y a un petit côté vicieux, mais qui reste, on va dire, pas dégueulasse. Donc franchement, c'est top, je recommande fortement ce film, si vous l'avez jamais vu, pour moi, c'est un régal, puis en plus, ça parle de foot, donc c'est rigolo. Et puis, si vous le regardez, vous revenez vers moi et vous me dites si la musique ne vous reste pas dans la tête. Et vous comprendrez laquelle quand vous aurez vu le film. Ensuite, The Negotiator avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey, deux acteurs que j'apprécie particulièrement, surtout Samuel L. Jackson. J'adore ce mec, putain, il a un charisme de malade. Bref, dans Rules of Engagement, il est juste énorme. Enfin bref, Negotiator, j'adore ce film, putain, il est super beau. Le titre, hein, négociateur, hein, si vous n'avez pas compris de quoi ça parle de négociation, surtout quand vous voyez que c'est des flics. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Samuel L. Jackson joue le rôle donc d'un négociateur qui est très très bon, c'est un des meilleurs dans son domaine. Seulement un jour, on le chope en train d'avoir barboté de l'argent des caisses de la police, du fond de la police, enfin je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Et lui, il dit, ben non, c'est pas moi, I've been framed, blablabla. Bla, bla. Enfin, il a été piégé, donc. Hein. Et du coup, il se fait arrêter, il est condamné et tout, tu vois. Et il pète un câble parce qu'il se dit, ben, j'ai plus rien d'autre à faire. C'est genre, voilà, c'est ça ou rien. Il prend en otage le mec qui pense être celui qui l'a piégé, qui est donc la police des polices, là. Hein, je sais plus comment il s'appelle le mec dans le film, on s'en fout. Et il dit, ben voilà, j'ai des otages. Maintenant, vous allez prouver que je suis innocent. Et donc, il fait ça et ça. Et il demande... Parce qu'évidemment, vu qu'il pense qu'il a été piégé et que donc il y a des traîtres dans sa propre unité, il demande que Kevin Spacey soit appelé, qui lui aussi est un bon négociateur, mais d'un autre endroit de l'État ou de la ville, je ne sais plus. Et il dit, je veux lui. Et évidemment, dans son unité, personne ne le connaît. Il dit, qui c'est celui-là? Et donc lui, il dit, je veux lui. Et donc, du coup, après, ben, c'est ce qui se passe entre les deux négociateurs, au final. Le négociateur qui reste du côté, entre guillemets, de la loi, et celui qui est hors la loi et qui se dit, ben, en fait, je suis dans la loi et il faut montrer que je suis innocent. Et c'est cette histoire-là. Et je trouve ça génial de la manière dont c'est filmé, tourné, joué. C'est un pur film avec deux bons acteurs. Kevin Spacey, il est bon aussi, ce con. Voilà, donc j'adore beaucoup ce film. Si vous l'avez jamais vu, allez-y. Ultra rapide, je reviens, je ne vous avais pas montré le steelbook de Tora que j'ai. Voilà, j'avais fait un déballage quand je l'ai reçu, donc voilà, je vous le montre rapide. Voilà, c'est fait. Alors avant de vous montrer mon dernier, aujourd'hui, mention spéciale, j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, sur Blackfish,
Alors c'est pas un film, c'est un documentaire, d'où la mention spéciale. Et ça parle donc des orques, des épaulards qui sont enfermés dans des petites baignoires, hein, dans les Marine Land, dans les Sea World, dans les shit, les merdes pareilles de parcs qui est une honte internationale, qui devrait être fermé à tout jamais. Et donc c'est un reportage qui explique, enfin qui montre ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plein de morts des entraîneurs d'orques qui se sont fait buter, parce que c'est un animal qui est ultra intelligent, il est vraiment super, il est magnifique, c'est un bel animal, il est vraiment beau, il est majestueux, il est classe, enfin bref, si vous n'avez pas vu le film Orca d'ailleurs, Orca, très très bon film, allez le voir, c'est vraiment top. Blackfish, un reportage un petit peu comme The Cove, mais d'une autre, moins violent au niveau gore, mais vraiment intéressant, superbe reportage à voir, c'est vraiment quelque chose. Et donc le dernier de cette fournée, Street Fighter 2 The Movie en animé, c'est une tuerie internationale, j'adore ce manga, il déboîte. C'est pas un 10 parce que je suis pas un gros fan de manga, mais à la base, mais franchement il mérite parce que il est superbe. Alors il est sorti en Blu-ray, mais il était ultra cher, donc je me suis pris le DVD, je me suis dit que ça suffisait pour un manga, donc en plus en nouvelle édition remasterisée non censurée, donc il est vraiment pas mal. Je me suis refait il y a quelques mois, c'est énorme. Alors c'est clair qu'on n'a pas un focus sur tous les personnages, on a plutôt un focus sur Guile, Chun-Li et Bison, hein, évidemment. Alors Bison, en fait c'est Vega son nom, hein. On dit Bison nous parce qu'ils ont changé le nom pour l'Occident, mais à la base son nom, Mister Bison, le méchant de Feng, en fait c'est Vega. Vega s'appelle, comment il s'appelle, Balrog, et Balrog s'appelle Bison, puisque c'était le Bison, c'était la référence au boxeur, mais à cause de ça, c'est pour ça qu'ils ont changé, les noms. Le méchant de Feng c'est Vega, le boxeur c'est Bison. Et l'espagnol avec ses griffes à la Wolverine, c'est Balrog. Ça, c'est les noms originaux. D'ailleurs, je l'ai appris en regardant ça, en VO évidemment. Hein. J'ai dit, mais putain, mais ils sont cons, quoi, pourquoi ils l'appellent Vega? Alors, du coup, moi, hop, sur Internet. Ah ouais, merde, en fait, c'est les vrais noms, ils ont changé pour des raisons à la con. Enfin, bref. Donc voilà. Ouais, non, il est magnifique. Hein. Donc, c'est l'histoire, hein, de Street Fighter, très classique, mais c'est pour moi la meilleure référence de j'en ai, bon, évidemment, incomparable avec la bouse avec Jean-Claude Van Damme. Au niveau de l'histoire, hein, j'entends, évidemment, puisque ça, c'est un animé. Mais vraiment, top, top, top. Je me régale. Les combats sont super bien faits. Il est génial. Ce manga est vraiment top. Je le recommande fortement si vous aimez les mangas. Voilà, c'était la partie numéro 3 de mes films que j'ai noté 9 sur 10. Donc, il y en a encore une ou deux à venir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé des films. John, je sais que le commentaire va arriver avec tes étoiles. Hein. Là, s'il n'y est pas, je vais être choqué. Merci les gars, les gars et les filles, hein, peut-être, hein, je sais pas si j'ai beaucoup de viewers. Merci de regarder mes vidéos, c'est super cool, ces derniers temps on est monté. Aujourd'hui, j'ai vu que je suis arrivé à 200 abonnés, j'ai le chiffre tout rond, 200, donc c'est cool. Ça prouve que vous aimez mes contenus et puis surtout que vous aimez les films et les supports physiques, et ça c'est le plus important. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez, hein, j'ai le Discord ou le Telegram dans la description. Merci encore pour votre soutien et vos petits commentaires, c'est sympa. Enfin, je me régale de parler de films avec tout le monde, c'est vraiment top. On échange, on se donne des conseils et tout, c'est vraiment exceptionnel. J'apprends des trucs, vous apprenez des trucs, on est au top et c'est génial. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao !